Ernest m'a attiré mon attention parce qu'il a un parcours atypique de décrocheur, mais un parcours fait de rebondissements. Jusqu'à la fin de la primaire, jusqu'à la fin du CM2, tout allait très bien. Après, à partir de la sixième, c'est vrai que faire de nouveaux amis, puis on connaît pas grand monde et c'est vrai qu'on nous entraîne à faire des bêtises, du coup. Voilà. J'étais CPE au collège La Boétie à Saint. Je l'ai connu, Ernest, à l'époque. J'ai fait une sixième, j'ai redoublé à cause de mon comportement, justement. Ernest se faisait virer systématiquement de cours. Alors, c'est vrai que mon décrochage, il était progressif. Alors, au début, j'ai commencé à arrêter d'écrire les cours. Puis au final, à force d'arrêter d'écrire les cours, on se dit pourquoi venir en cours, c'est pas pour écrire. Donc tu finis par plus y aller. Puis tu te fais convoquer chez le CPE ou chez le directeur, qui te mettent des sanctions, puis toi, vu que ça t'énerve, t'as envie de te rebeller contre eux, du coup tu fais encore moins de travail. Ernest avait des grosses colères. Ernest était profondément malheureux. Après, je l'ai compris quand j'ai rencontré sa famille. C'est un cercle vicieux et c'est vrai qu'au lieu d'essayer de sortir de ce cercle, en fait, en fin de compte, on s'enfonce de plus en plus. J'ai compris les raisons pour lesquelles il était malheureux, mais en même temps, on ne pouvait pas faire grand-chose. Ernest était hermétique à tout. Ernest n'arrivait pas à exprimer des choses, donc il les exprimait par son comportement. C'est un jeune qui a eu des difficultés dans sa scolarité, qui, à la fin de sa cinquième, a préféré aller en maison familiale et rurale, par choix ou pas. À la fin de ma cinquième, ils m'ont demandé de faire un choix, soit de partir, soit d'être envoyé au final. Donc j'ai choisi de partir. La maison familiale et rurale a l'avantage de lui proposer des stages. Quand nous l'avons recueilli en stage la première fois, donc c'était un petit peu pour essayer de trouver une voie dans le professionnel, parce que bon, il sentait qu'au niveau de ses formations en école en général, c'était pas gagné. Et voilà, il voulait se donner une deuxième chance et essayer de trouver sa voie professionnelle. Il s'est présenté à nous, ça a été très facile parce que déjà nous on connaissait un petit peu sa dérive scolaire, son décrochage. Ernest a montré déjà la première année des signes déjà ça fonctionnait très très bien. On voyait que déjà il avait l'esprit qui pouvait bien fonctionner, on voyait qu'il avait intégré parfaitement les équipes, il s'entendait bien avec les autres ouvriers. Vraiment, il a été très courageux. On lui a bien énoncé aussi les règles d'entrée, hein, parce que c'était différent, c'était une autre école qu'il n'avait pas découvert et il a accepté. Il s'est bien intégré dans l'entreprise parce que bon, il y avait eu une petite morale avant où je lui ai expliqué qu'il y avait de la rigueur et une façon de se tenir. Ça a été très très ferme, les yeux dans les yeux, et après il s'est intégré très 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 bien. Voilà, j'avais bien expliqué aux ouvriers la position d'Ernest et tout, donc on l'a pris d'entrée, il a joué le jeu, ça s'est très très bien passé. Voilà, ça a été direct. Sans aucun retour. À cette période, je me sentais un peu mal dans ma peau. C'est vrai que tout le monde me disait que j'allais pas réussir mes études, que je pourrais aller en prison, on me l'a dit souvent, que je suis un malade mental, qu'il fallait m'enfermer et tout, on me l'a dit aussi. Donc c'est vrai que, à force qu'on me le dise, j'ai fini par y croire, quoi. J'avais absolument pas une image positive de moi. Enfin, pour moi, j'étais un branleur. Qu'elle n'a jamais réussi à faire quelque chose de sa vie, donc pourquoi se forcer à essayer de faire quelque chose si on n'y arrive pas? Je voyais aucun avenir qui se présentait à moi. Je faisais plus vivre le jour, je faisais vachement la bringue, j'étais vachement avec mes potes et tout. Donc c'est vrai que non, tu ne penses pas forcément à ce qui va se passer après. C'est vrai qu'en fait, il faut rentrer dans le mur au final pour comprendre et pour voir et corriger ses erreurs. Mais le mur, ça a été le professeur. Que j'ai agressé justement. À l'NFR, ça s'est pas forcément bien passé, quoi. Il s'est passé des choses pas sympas pour lui, mais Ernest était en pleine crise, quoi. J'ai agressé un professeur physiquement. 10 minutes après, je me rappelais déjà plus de ce que j'avais fait, tellement ça m'avait perturbé et c'est vrai que ça m'avait fait très peur. Ça m'a permis de réfléchir sur le fait que on peut pas agresser n'importe qui, n'importe quand, qu'il faut savoir se contrôler, ses impulsions et être plus réfléchi. C'est grâce à mon patron et à certains profs qui m'ont aidé et à des amis qui m'ont soutenu que ça m'a permis de comprendre qu'au final j'étais pas comme ça et que j'étais quelqu'un de bon et qu'il fallait juste que je le montre aux gens. Malgré son âge, et je vous dis, tous les matins je disais, il a le même âge que ma fille et voilà, je sais ce que ça peut faire aussi un adolescent à cet âge-là et jamais il a renoncé. Monsieur Claire, il m'a déjà aidé
m'aider quand j'étais vraiment pas bien et tout. Il m'a toujours soutenu, même à l'AMFR faire quand j'ai agressé ce professeur, il a toujours été là pour moi. Et justement après il m'a pas renvoyé, au contraire, il m'a demandé de bosser encore plus et que j'avais plus le droit de faire de bêtises parce que sinon c'était fini. Et c'est vrai que déjà ça m'a vachement motivé. Et je me suis dit, au final, j'ai pas envie de perdre mon métier parce que c'est ce que je fais, c'est ce que ça me plaît, et j'ai pas envie de le perdre juste parce que j'arrive pas à me contrôler. Donc c'est vrai que déjà pour ça, il m'a vachement aidé. Donc du coup, je suis devenu aussi plus mature et puis même, il m'a donné vachement de responsabilités dans son entreprise alors qu'il n'était pas forcément obligé. Il m'a donné, vachement de responsabilités. Déjà, des fois, il me donnait des chantiers tout seul. Ça arrivait, c'est vrai que ça te donne plus confiance en soi, quoi. Le fait de faire partie d'un groupe qui fait ni partie de ma famille ni de mes amis, d'être dans un groupe qui travaille tous ensemble et avec qui on partage les chantiers, qui m'aide à pouvoir avancer dans mon travail, ainsi d'avoir des moments d'humour. C'est vrai que c'est vachement bien parce que quand tu es au travail, tu es vachement content qu'il y ait quelqu'un avec qui tu puisses t'entendre et pouvoir parler et tout. Je pense que si j'aurais pas eu ça, s'il n'y avait pas eu une bonne entente dans l'entreprise, je pense que j'aurais pas réussi à finir mon CAP. Le rôle de Monsieur Clerc, ça n'a pas simplement été le rôle d'un employeur. Je crois qu'il était un employeur, mais il était aussi un être humain. La notion d'être humain, c'est vachement important. Et il était un être humain qui a su effectivement écouter, mais qui a su aussi dire les choses, qui a su poser le cadre, qui a su reprendre Ernest. Au fond, il a eu un rôle éducatif aussi. Au final, j'ai arrêté d'être un élève décrocheur, surtout quand j'ai commencé mes stages à la MFR. Bon, c'est vrai que par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pas bien vrai. Mais c'est vrai qu'à partir de là, j'ai commencé à comprendre qu'il fallait bosser pour avoir du travail et pouvoir vivre plus tard. Et avec mon patron, c'est vrai que lui, il m'a donné vachement de motivation et il m'a montré que c'était pas tout blanc ou tout noir, c'est qu'il y avait un peu des petites nuances entre. Il s'est retrouvé dans ses stages et a pu signer un contrat d'apprentissage avec, je dirais, comme je les appelle, les bonnes rencontres. Ce patron-là, qui a ce regard bienveillant, qui l'a encouragé, ce patron qui lui a proposé un contrat en installateur sanitaire, lui a donné l'envie d'aller plus loin, l'envie de continuer et surtout de continuer à aller à l'école, donc au CFA, au Centre de Formation des Apprentis, de se former, de valider un diplôme et puis peut-être après d'aller voir plus loin. À la fin de mon CAP, il m'avait soutenu et il voulait que je reste dans son entreprise. Et c'est vrai que j'ai eu du mal, j'ai pris 6 mois avant de pouvoir lui dire que je voulais reprendre les études. Je pensais qu'il allait m'en vouloir et au final, c'est lui justement qui m'a encore plus poussé à poursuivre mes études. Donc c'est vrai qu'il a toujours été là pour moi et j'en suis très content. C'est marrant parce que l'an dernier, il est venu me voir et j'étais au CIO, c'était un mercredi après-midi. Il est venu me voir, il m'a dit voilà, je vais passer mon CAP en juin. On devait être vers le mois de mars-avril. J'ai passé mon CAP en juin et j'aimerais faire autre chose l'année prochaine. Et j'aimerais bien tenter au lycée général. Je me sentais inférieur aux autres, à tous mes potes qui ont passé le bac. Qui me disent j'ai eu mon bac, c'est vrai que moi quand je leur dis que j'ai qu'un CAP, j'ai l'impression de passer un peu pour quelqu'un de moins intelligent, ce qui est totalement faux parce que dans la culture générale on est à peu près au même niveau. On a construit le dossier petit à petit, au mois de septembre on l'a présenté. Alors à première vue, moi quand j'ai vu ces bulletins, je me suis posé la question, mais est-ce que c'est réaliste? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Ça a été validé par le DSDN. L'idée, c'était de proposer un contrat. Voilà, on fonctionne beaucoup en contrat. On a proposé aux jeunes d'intégrer une seconde générale, à l'essai quelque part. On en avait parlé déjà au chef d'établissement du lycée général, de Sarlat, le lycée près de Cordy. Bon, ça a été... On m'a bien dit, mais vous croyez qu'il va y arriver? Je dis, de toute façon, si on n'essaye pas, on ne saura jamais. Il faut toujours essayer. Hein. Ah, on le dit souvent aux gamins, si tu ne goûtes pas le plat, tu ne sauras pas quel goût ça a. Hein. Voilà, hein. Pareil pour l'emballage, si tu l'ouvres pas, tu ne sauras pas ce qu'il y a dedans. Hein. Donc on a essayé, et puis finalement, Ernest, on s'est fixé des paliers. Des paliers que j'appelais les paliers de compétences. Premier palier, c'est la compétence sociale, c'est la capacité à se mettre en relation avec les autres, en interaction dans la classe, en interaction avec les enseignants, en interaction avec les règles de fonctionnement du lycée, tout ça. Deuxième palier, ça sera la compétence du travail, c'est la capacité à se mettre au travail. Et
Le troisième palier, c'est la capacité à avoir des résultats. Et donc je lui dis, voilà, tu as 3 mois pour essayer de monter dans ces paliers. C'est là où apparaît le suivi en prévention des ruptures scolaires, où on a un coordonnateur qui met en place le parcours, qui fait le lien avec les professeurs et qui voit ce qui ne va pas, donne des conseils, mais surtout est là, avec Ernest, on ne le lâche pas. On ne lui dit pas, ça y est, c'est OK, ça y est, c'est bon, tu as ta place. On continue à le suivre et puis on fait le point régulièrement aussi avec la direction. Et Ernest, de par son envie, là c'est vraiment son envie, sa motivation, a pu réaliser un parcours et intégrer une seconde générale à l'issue du premier trimestre en retrouvant ce rôle d'élève. Et Ernest, petit à petit, malgré effectivement malgré le fait qu'il ait allé 2-3 ans de plus que pour certains dans la classe, il vient d'avoir 18 ans au mois de décembre, malgré tout ça, Ernest, il s'y est mis. Et Ernest a eu des difficultés. Ernest, il a fallu le booster aussi. Parce qu'Ernest, effectivement, a une capacité extraordinaire dans les matières scientifiques. C'est une pointure. Donc, Ernest a réussi à avancer petit à petit, à construire. Et finalement, à l'issue du conseil de classe du premier trimestre, le lycée m'a dit, on le prend. Alors bien sûr, Ernest est comme les autres élèves. Pendant temps, je sèche. Il est loin d'être parfait. Mais c'est ça qui fait sa richesse. Je me sens beaucoup mieux, honnêtement. J'ai beaucoup plus confiance en moi déjà, premièrement. C'est vrai que ça, c'est un bon truc. Puis je me vois moins comme un monstre que ce que je me voyais avant. Parce qu'avant, j'avais peur que les gens aient peur de moi, justement. C'était ça le problème. Donc c'est vrai que je me sens beaucoup mieux qu'avant et ça me permet d'avancer encore aujourd'hui. C'est un parcours plutôt atypique. Il faut que les équipes soient prêtes à le faire, il faut que l'établissement soit prêt à jouer le jeu, il faut qu'il y ait un coordonnateur MLDS qui puisse assurer ce suivi. Mais je crois qu'on sera amené de plus en plus à accompagner ces jeunes-là qui reviendront en cours d'année sur des places vacantes, sur des scolarités. Il faudra être prêt à accompagner ces élèves-là, notamment avec ce droit au retour en formation initiale. Les équipes vont devoir peut-être parfois être bousculées, mais réfléchir à comment accompagner ces jeunes et puis leur permettre le doute. Ils reprennent une scolarité, on a parlé de laisser du temps. C'est aussi être indulgent parfois, tout en ayant les mêmes exigences, mais en rappelant qu'est-ce que c'est un élève, qu'est-ce qu'on attend de lui, le temps qui est consacré au devoir. Ça paraît une évidence pour le professeur, ça l'est pas forcément pour l'élève. Lui rappeler, le coordonnateur peut faire ça et a un rôle à jouer à ce niveau-là. Quel rôle je dois jouer quand je reviens dans ma classe ? Aujourd'hui, je me vois comme un élève normal, justement. C'est toujours ça en fait que j'ai voulu être, c'est être normal. Alors quand je vois l'écart entre ce que j'étais et ce que je suis, au final c'est pas du tout la même personne. Enfin, le fond reste le même, mais à l'extérieur c'est pas du tout la même personne. Je suis plus... je suis plus sûr de moi déjà, j'ai plus de réflexion, je prends le temps de poser les choses avant d'agir. Ça me donne envie de recommencer les cours et je me dis j'ai un nouveau palier à atteindre et après dès que j'aurai le bac je passerai à un autre palier. On peut le lui dire, ça a été un des meilleurs pour le moment. Je voulais le dire. Ouais.